Et t'as quel âge? 32. Le gouvernement déclenche un avis de disparition. Il s'agit de la jeune Lucie Fayet. Attends. Il s'agit d'une jeune fille blonde de 15 ans. Elle porte une veste en jean et un sac à dos rose. Si vous avez la moindre information, appelez le 06. Attends, c'est de toi qu'il parle? Peut-être. T'as fugué? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. T'as 15 ans et tu t'es enfui? Ouais. Stylé. Tu trouves? Mais grave. Bon, tu vas faire quoi à Paris? Je vais retrouver mon mec. Je l'ai rencontré sur internet, il a 30 ans. 30 ans? Bah ouais, attends, les mecs de 15 ans, c'est des gros nazes. C'est tellement courageux. Et on remet à la radio, je suis sûr qu'ils parlent de toi encore. Avec des parents très inquiets, sans nouvelles de leur fille depuis ce matin, la petite... En plus, ma boulouse de mère, elle m'a appelé 20 fois depuis ce matin. Et elle a aucune idée de là où t'es. Non. Quoi. Ça, c'est génial. En même temps, je te comprends, tu sais, t'as envie de vivre ta vie, c'est à 15 ans que tout se décide. Claire, moi je vais pas passer mon brevet, faire des gosses, c'est une grosse bouffon ça. Ça, c'est une belle énergie, hein. Mm. Profites-en, tu sais, t'es toute fraîche, t'es jeune. Enfin, arrête de me toucher, c'est un tout petit peu bizarre là. Attends, t'es une adulte maintenant, tu sais, tout est permis. Arrête. Mais quoi, t'en as marre des mecs de 15 ans, hein? Eh ben moi je vais te montrer ce que c'est. Arrête! Quoi? Je veux rentrer chez moi. Tu veux quoi? Rentrer chez moi. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Allez, on fait demi-tour. Appelle ta mère, dis-lui que tu rentres. Petite conne, t'as pas honte. C'est qui ce mec sur internet? Tu l'as déjà vu? Il s'appelle Jean-François, il m'aime et il veut m'emmener en voyage. Où ça? En Syrie. Il y a des palmiers là-bas. Waouh, c'était mon épisode de Cocovoite préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir aux frics qui autorisent à se croire à l'abri. Si toi aussi tu essayes de construire avec ce que tu as, tu peux partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Cocovoite si c'est pas déjà fait, où tu retrouveras 3 nouveaux épisodes par semaine. On te recommande également les chaînes de Ebim et des Parasites, qui font des vidéos comme t'en as jamais vu sur YouTube. Vas-y de notre part, c'est des potes.